Salut tout le monde, c'est Diablo. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Crew pour la mise à jour de mars avec le nouveau DLC, le Vintage Pack. Donc, Vintage Pack de mars qui comporte les nouveaux véhicules suivants. Donc, il y a deux nouvelles corvettes, donc la corvette C2 et la corvette C3. Et la Spacker C8 Aileron. Voilà. Donc comme le mois dernier, hein, je vais vous faire une petite présentation des différents véhicules. Bon, je sais que la vidéo précédente, enfin de février, j'avais montré que la Mercedes. Donc cette fois, j'ai essayé de vous montrer toutes les trois voitures. Alors je crois qu'il n'y a toujours pas les autres specs disponibles. Je pense qu'ils viendront demain, parce que là on est mardi. La plupart du temps, les mises à jour viennent le mercredi, en même temps que la maintenance. Donc je vais vous montrer tout de suite les différents véhicules. Hein. On va aller dans le garage de Los Angeles, de Las Vegas. Et donc voilà, les trois nouvelles voitures. On va tester en premier lieu la Spacker, même d'origine. Voilà, toutes les nouveautés sont demain, donc je vous ferai une autre vidéo hein, avec le reste. Je mettrai en suivant, je verrai. En tout cas, même les couleurs, de toute façon, il n'y a pas de nouvelles couleurs. Je crois pas qu'il y en avait de prévu pour ce troisième DLC. Ouais, pas mal comme ça en vert. Là. En sticker, il n'y a pas de nouveau, je crois. Pour l'instant, non. Je vais pas mettre de sticker, il y a pas mal comme ça. Ouais. Ah, il y a plus de modifications que la Mercedes. Même si je vois pas trop ce qui change. Sur la grille. Ça va être pas mal. Ouais, pas de mal. Alors, pas d'allonge officielle. À part celle de pas trop le carbone. Pour le capot ça passe. Ouais bah je lui braderai quand en annuel. Faire plutôt que d'acheter des pièces, c'est pas ça, tue un peu le jeu quoi. De toute façon, j'ai toujours pas de véhicule au niveau de 1299 ampères. On va tester un petit peu le bolide. On va jouer avec un peu les cliffs parce que. J'ai un challenge mensuel qui me demande de faire, je crois qu'il faut que j'ai 100 étoiles. Donc autant que j'en fasse quelques-unes. C'est pas mal. Que peut-être pas mal aussi pour drift. Un petit peu latin, ça c'est pas super sûr.
super. Ouais, et pas mal. Donc on va tester la petite Corvette C2 et on finira par la C3. Et puis je vous laisserai, puis je ferai un petit montage pour les autres nouveautés demain. Donc la Corvette. La petite Corvette. Ça c'est trop ça. Ok, d'origine le carbone en... C'est pas du carbone, ça c'est la fibre de verre je crois. Que je dise pas de conneries. Je sais pas ce que c'est comme matière. Comme ça pète pas mal. Bon, après de toute façon je pourrais changer, hein. C'est pas... de nouvelles couleurs à l'intérieur. Je crois que c'était prévu. Pas mal comme ça. Les phares façon. Ouais, quoi que non. C'est bien qu'elle soit en dirt celle-là. Ça peut être pas mal, je pense. Un peu surréel. Celle-là, les jantes, on n'a toujours pas d'origine. En même temps, si c'est Corvette, j'ai dû tous les acheter avec les Z4, enfin la Z01 et les Camaro. De toute façon, je change rien. C'est pas grave. Juste pour montrer. Quand même améliorer un petit peu. Voilà. Pour les échappants, c'est une des rares perfs. Il manque niveau 50 en échappement et en pote de vitesse. Et vu que c'est des sauts qui se font dans la terre. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de les avoir. Bon, je m'en fous un peu du bruit de toute façon. Enfin, je refasse les envois d'amis en mission de faction. Et je pense que je vais faire aussi quelques petits JCJ pour monter un petit peu le pognon. Il faudrait aussi que je débloque le succès. Avoir 10 000 en revenu quotidien, ce que j'ai toujours pas atteint ce palier. Bref. On va tester ça. Ça me fait penser un petit peu à la Shelby, hein. La même accélération. La GT500 de 69. Hein.
choix d'une vidéo sur YouTube, donc, mais c'est pour ça que j'ai pas de. J'ai pas de joueur encore de visible. Même les couleurs de officier légende n'ont pas toujours été, pas encore été mises à jour. Et voilà, on se retrouve pour la suite de ce DLC, enfin de cette présentation du DLC et du patch, enfin de la mise à jour du nouveau pack de Mars, donc le Vintage Pack. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour une présentation des différentes specs qui ont été ajoutées. Donc Vintage Patch oblige, ça va être essentiellement des voitures qui sont à l'honneur. Alors de ce que j'ai lu sur le patch note, en fait ce sera les specs circuits pour les vieilles voitures, donc à savoir la Dodge Charger, la Shelby GT500 Eleanor, l'Impala, je crois qu'il y a une quatrième vieille voiture aussi, je ne me rappelle plus laquelle. Il y a le Silverado qui sera en dirt aussi et la Ford Focus en circuit. Et aussi un autre élément assez important, c'est un nouveau mode de jeu, joueur contre joueur, qui se nomme le Blitz Brawl. Donc comme vous pouvez le lire, ça sera, c'est un nouveau mode de jeu qui se détermine ainsi. En fait, une zone est sélectionnée aléatoirement. Toutes les personnes doivent s'y rendre. Le premier qui atteint cette zone obtient un bonus. Et en fait, le fait est qu'il faut tenir cette zone pour engranger des points. En sachant que les autres vont vous pousser pour également engranger ces points.
Et du coup, ça crée une sorte de tension, hein, ainsi dire, parce que puisque tout le monde va se pousser pour essayer d'obtenir un maximum de points. En sachant que la zone déterminée va durer un certain temps avant qu'elle change. Donc en fait, c'est un petit peu un mode fun, hein. Ça va changer un petit peu des courses traditionnelles ou du mode élimination qui a été paru sur le DLC précédent en février, qui était le mode élimination, si vous vous souvenez, que vous avez présenté brièvement, mais qui au fin de compte s'est révélé être un mode assez peu intéressant, vu que la plupart des personnes qui effectuaient ce mode, s'ils étaient éliminés dès le début, devaient attendre la fin de la partie. Du coup, ce mode a été un petit peu déserté, vu que à chaque fois qu'une personne lançait ce mode de jeu, la session se retrouvait vide, vu que tout le monde quittait avant que la partie se termine, donc ça vidait un petit peu les salons de joueurs contre joueurs. Du coup, voilà, il y a un nouveau mode de jeu qui est disponible. Voilà. Donc en parallèle, je vous ai dit. Ah, putain, mon revenu de fraction, il a bien augmenté. 40 000. Je crois que c'est un petit bug. Ou non, je crois pas que ce soit un bug en fait. Ils en avaient parlé dans la mise à jour. En fait, il y a plusieurs missions qui ont été augmentées. Ah ouais, quand même, ouais. Je crois que j'ai gagné pas mal d'XP là en fait. Je suis passé Gangsta dans toutes les zones. Alors que j'étais. Ouais. J'étais passé Gangster. Ouais, je suis passé Gangsta. Ouais, j'ai dû pas mal. Ou alors, je sais pas, c'est dû à la mise à jour peut-être. Parce qu'il y a certaines missions qui ont eu leur revenu en termes de bucks et aussi de points de réputation augmentés. Également XP, notamment les missions de, enfin les dernières missions de chaque zone, les missions scénario, hein, donc je parle. Il y a aussi quatre nouvelles missions de faction, donc, notamment celle-ci. De toute façon, vous les voyez sur la map, hein, elle clignote. Voilà. Il y a eu plusieurs améliorations, hein, que ce soit au niveau de la physique des véhicules. Il y a aussi, enfin, après on va le voir, hein. On va tester, hein, mais il y a aussi la résolution du bug, enfin du glitch qui permettait à ceux qui utilisaient les gros véhicules en perf de se coller au glissière et de gagner la vitesse. Ça, normalement, ça a dû être réglé. En fait, on va perdre de la vitesse plutôt que d'en gagner. Ça va être plus pénalisant de taper les glissières. Sinon, comme en février, hein, ils ont essayé aussi d'améliorer un petit peu l'IA. Que ce soit en course, que ce soit l'IA des civils, hein, des personnages non joueurs, enfin des bots lors des free rides, hein, ce sont plus des comportements un petit peu hasardeux. Et également l'IA durant les courses, hein, qui sera de moins en moins brutale et notamment plus pessimiste, notamment en fonction du niveau du véhicule, notamment pour les nouveaux joueurs qui découvrent un petit peu le jeu assez tardivement et qui auront un petit peu plus de facilité à progresser dans le jeu puisque l'IA sera toujours calqué sur le niveau du joueur, mais c'est quand même un petit peu moins difficile à jouer que précédemment. Ensuite, concernant d'autres améliorations, j'en ai pas en tête, mis à part bon, les améliorations physiques de certains véhicules. Ça a été. C'est un petit peu répétitif, hein, c'est une amélioration un petit peu constante suite aux différentes appréciations des joueurs. Hein, les développeurs essaient de répondre au mieux aux appréhensions des joueurs. Donc la physique de certains véhicules ont été améliorée. Sinon, de manière globale, aussi la physique, notamment sur les sauts. Sur la session des sauts, notamment pour les véhicules raids, a été améliorée. De toute façon, je vais vous le montrer un petit peu en course. Donc, on va passer déjà sur les différentes specs des véhicules qui ont été ajoutés. Donc, normalement, ouais, donc là, c'est la première page. Normalement, c'est tous les vieux véhicules, hein, qui ont eu une spec supplémentaire en circuit.
et que le Silverado qui est passé en dirt. Donc là vous voyez que la Shelby GT500 de 67 a dorénavant une spec circuit. Et c'est vraiment ce que j'attendais, hein. C'est vraiment un des DLC que j'attendais pour ces specs sur les vieux véhicules, parce que franchement c'est un petit peu badass de voir les old school muscle car en version circuit. Surtout que c'est visible sur sur scène de course du mode scénario, où l'IA possède ces véhicules mais que nous pouvons pas les obtenir enfin, précédemment. Donc je vais la peindre en rouge, hein, je vais respecter un petit peu le code couleur de la Shelby. Alors j'en profite aussi pour voir s'il n'y a pas de nouveaux stickers. Donc on aperçoit qu'il y a quand même pardon, une nouvelle catégorie de stickers vintage. Donc ça se réfère un petit peu au DLC, hein. Je pense qu'au fur et à mesure, enfin, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que chaque DLC a son propre thème et ajoute également des stickers qui suivent ce thème. Donc sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres. Quoique, je crois qu'il y a de l'ajout de nouveaux stickers en urbain, certains que j'avais pas vu, enfin, qui n'étaient pas présents, j'ai l'impression. En gothique, il y a toujours les mêmes. Ouais, crâne. Enfin, sachant que bon, y a certains que j'ai encore pas acheté, hein. Même si, comme vous voyez, j'ai plus de 404 millions. Mais bon, j'économisais surtout pour les nouveaux véhicules du DLC. Alors, en même temps, j'ai pas vu s'il n'y avait pas de nouvelles catégories de couleurs aussi. Donc, je regarde ça vite fait. Non, visiblement non. Donc, ah, il y a aussi une nouvelle couleur, une nouvelle catégorie d'intérieur, donc des intérieurs bois. Ça, c'était annoncé également. Donc, ouais, je vais mettre en rouge, hein, pour être un petit peu dans le même thème que la couleur extérieure. En même temps, je regarde s'il n'y a pas des nouvelles catégories de couleurs pour les différentes catégorie d'intérieur, donc visiblement non. En jante, je vais mettre une jante au pif, hein, un petit peu au hasard. De toute façon, je modifierai ça en off, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Hop, voilà, je mets au pif, hein. De toute façon, ça rend pas trop mal. Voilà, je vais pas vous faire le test tout de suite, hein. J'ai juste installé toutes les améliorations pour le moment sur les différents véhicules. Donc ouais, c'est celle-là que j'avais oublié, donc la Camaro. Il reste 69. Et je vous testerai ça. Enfin, je vous testerai tous les véhicules regroupés. Plutôt que de à chaque fois revenir dans le garage pour installer toutes les specs. Ouais, pas mal quand même. Ça change un peu, hein, la tronche de la voiture. Sachant que malheureusement on ne peut pas modifier les carrosseries, etc. en circuit et en raid. Ce qui est un petit peu dommage. Mais je crois que ça va être ajouté, hein, plus tard. Bon, je vais mettre cette couleur-là. Hop. Je vais mettre un sticker vintage, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, comme ça. C'est pas mal comme ça, je trouve. C'est pas mal. En bois, hop, on va mettre du gris, hop, au pif. C'est pas très beau, mais de toute façon, je modifierai, hein, comme j'ai dit. Ensuite, en termes de véhicule, en termes de nouvelles specs, la spec Dirt, j'installerai à la fin. Voilà, Dodge Charger aussi. Quand même un des véhicules que j'attendais. Une nouvelle spec pour ce véhicule que j'attendais. Il faut dire que personnellement, en catégorie spec, j'ai pas vraiment beaucoup de véhicules améliorés à fond. Puis à part la GT, la Ford GT, le reste n'était pas tip top à conduire en joueur contre joueur. Donc là, j'espère que ça va apporter un peu plus de véhicules
Intéressant à choisir. Je vais laisser la bande, elle est pas mal comme ça. Elle est pas mal. J'achèterai les pièces en off. Et la Ford Mustang. La Ford Focus. Qui, d'après les wallpapers que j'avais vus, était pas mal en circuit. Ouais, ça va. Ça, en fait, ça rajoute juste un kit large. Hein. Un big spoiler. Comme ça, de toute façon, je changerai la couleur, etc. Après, je vais m'acheter quelques stickers pour pouvoir les avoir dans le garage. Hop. Ah, je regarde aussi s'il n'y a pas d'autres. Voilà, mini en street, etc. C'est vu que j'ai le son de passe, c'est pas vraiment intéressant vu que j'ai eu les éditions street en décembre. Ouais, c'est une des dernières bagnoles que j'avais achetées là. L'Impala. Qui entre nous, je trouve qu'il est pas vraiment cool à conduire en spec. Vu qu'elle est assez instable. Enfin, je sais pas s'ils ont amélioré ça avec la mise à jour. Ah oui, notamment en parlant des sauts, j'ai oublié de préciser aussi que les bosses sur la neige ont été amoindries. Parce que c'était un petit peu abusé les. Enfin, sur la neige, le comportement des véhicules par rapport aux boss qui étaient présents sur la route. Notamment en spec dirt, où c'était pratiquement impossible de conduire, vu que. Enfin, même si l'aspect dirt était un petit peu préconisé en même temps que l'aspect raid pour la neige. Mais que vu que c'était pas super tip top à conduire, à cause des boss, c'était pratiquement injouable de piloter ces voitures. Bon, c'est des jantes de Corvette. Hop. Et il y a le Silverado qui manque. Ouais, donc je vous avais présenté, enfin, première partie, les véhicules du DLC. Et non, j'ai juste installé la spec dirt sur le Silverado. Et je vais vous montrer tout ça en course. Enfin, en freeride. Et je conclurai avec le mode blitz, si on arrive à rejoindre une partie. Parce que c'est toujours un petit peu la galère quand un DLC sort, enfin une mise à jour. Parce que tout le monde n'a pas le temps de l'installer. Faut aussi télécharger, etc. Donc, il y a un peu de moins de monde. Enfin, pareil, hein. Le Silverado, j'attendais un petit peu en dirt aussi, parce que ça va un petit peu concurrencer la Skyline et le Silverado, enfin le Raptor. Façon, je modifierai après. Je prends juste un sticker au pif en vintage, même si c'est pas vraiment vintage. Number one. Donc là, contrairement au spec circuit, on peut modifier les pare-chocs, etc. Là, de toute façon, changerai après. Hop. Alors pareil, hein, les ailes, normalement c'est prévu plus tard. Ce sera une sorte de kit large, hein, pour les véhicules. Ouais, lui, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de m'inviter, mais à chaque fois ça marche pas. Pas le rejoindre.
Hop. Voilà, je vais vous faire un petit test de ces véhicules. On va changer un petit peu de zone, hein, parce que Miami. Quoique non, là c'est New York, donc c'est tant mieux. Ouais, ça monte un peu de patate vu que j'ai pas installé de nouvelles pièces dessus. Je crois que il y a aussi eu des améliorations graphiques, notamment en termes de flou de vitesse, j'ai l'impression. Je crois qu'ils l'avaient aussi dit dans la mise à jour. Ouais. Ils avaient aussi dit, ils avaient stipulé aussi qu'il y aurait une petite amélioration en termes de sensation de vitesse dans les graphismes. Ouais, normalement, l'idéal aurait été que je le teste dans la terre, etc. Mais bon. De toute façon, c'est pas vraiment important. Donc les nouveaux véhicules. Oui, ils ont aussi parlé d'une nouvelle interface hein, qui était présent. Alors je sais pas trop en quoi ça consiste. Ouais, bon, ça a l'air d'être un kit circuit un peu banal hein, sur l'Impala. Donc en même temps je upload une vidéo donc c'est un petit peu normal s'il n'y a personne dans les rues, hein. C'est tant que ça charge que ça trouve des joueurs. En même temps c'est pas plus mal, hein. Ça nous permet de nous balader tranquillement sans être emmerdé par les... Voilà, ça commence à arriver. Par la circulation. Ouais bon ça manque un peu de patate vu que c'est... Juste kit installé. D'autres chargeurs. Ouais, quand même un peu plus vite quand même, on le sent. Ouais, j'utilise souvent la vue capot hein, pour faire les défis de ce style. Que ce soit les portes ou... Les lignes de conduite, je trouve que c'est plus simple de pouvoir suivre. En vue externe. Ouais, 41. C'est mieux que rien, de toute façon j'améliore. J'installerai ça. J'installerai les nouvelles pièces plus tard. Où je les débloquerai, je verrai. Sans les kits circuits, c'est vraiment ce qu'il faut que j'améliore. Ouais, donc c'est pas mal. Hein, ouais, elle patine moins qu'en perf ou en street. Enfin, surtout en perf. Là, elle est vraiment stable. Peut-être la direction qui est un peu rigide, hein, je trouve. La direction qui ressemble un petit peu à la CS. Mais à mon avis, elle peut être pas mal en joueur contre joueur. Elle va être utilisée. Voilà, la Ford Focus. Celle-là sera quand même assez utilisée, je pense, parce qu'elle est pas mal de base. Un avis pour les courses de rue en circuit. Genre dans une ville, ça peut être pas mal à être utilisé.
En même temps, je fais quelques défis, hein, de toute façon, ça me permet de voir un petit peu la physique du véhicule. Qui est pas trop mal. Et on va tester celle que j'attendais vraiment. La petite Shelby. Alors c'est vraiment un monstre, hein, je trouve. Hein. Visuellement, elle envoie pas mal. Voilà. Même de base, là, comme ça, elle est bien plus rapide que l'Impala, la Ford Focus, même la chargeur. Ouais, celle-là, je pense que j'ai bien utilisé en circuit. Hein. Vraiment pas mal. Moi, je pense que j'ai bien utilisé là. Et pour finir, la Camaro. Oula, ah ouais. Derrière, on dirait vraiment une Camaro. Une autre Camaro. Pas celle. Pas celle-ci, une autre Camaro plus récente. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Elle est pas mal aussi, hein. Un peu de base, elle a un peu de patate. Elle a pas mal de patate de base, je trouve. Un peu comme la Shelby. À ma vie, la Camaro et la Shelby sont pas mal utilisées en circuit pour le JCJ. Ouais, surtout qu'elle tourne un peu mieux que la... Ouais, elle est plus vivace même. Ouais, je crois que j'ai utilisé aussi celle-là, elle est pas mal. Elle tourne mieux que la que les Honor ou la chargeur. Elle peut être pas mal. Je pense que je vais utiliser la Shelby et la Camaro hein, en circuit. Je crois qu'elle a du potentiel pour rivaliser avec la GT. Peut-être pas en termes de vitesse pure, hein, parce que en ligne droite, quoique là, bon, elle est de base, il hein, faut que j'améliore les pièces. Je crois qu'elle a quand même atteint les 300, 340. Savoir que la GT peut atteindre les 411. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller se rendre sur un joueur contre joueur. Joueur contre joueur, hop. Sachant que ils ont changé voilà, crew vs crew au lieu de faction vs fraction. Donc on va aller faire sur du chacun pour soi pour l'instant. Donc ouais, ça a changé aussi la interface. Donc on voit que là ça... Ouais, il y a un compte à rebours, avant que c'était pas comme ça. Bon, ça va, en 10 minutes, 10 secondes, ça a trouvé. C'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. En espérant qu'ils vont choisir le blitz.